Adrien Higier, bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'IFA 2007. Nous sommes sur le stand Marantz. Vous êtes le chef de produit pour la France. Oui, tout à fait. Nous allons parler d'un nouveau produit qui arrive, enfin, ou qui va arriver, je ne sais pas exactement. Il arrive, il sera disponible courant du mois de septembre, début octobre. D'accord. C'est selon... Alors, comment peut-on appeler ça? C'est une barre, barre sonore? Le nom officiel, c'est l'Obs 10. D'accord. Pour Optimizing Sound Distribution. C'est une barre de son un peu différente de ce qu'on peut trouver sur le marché actuellement. Beaucoup des barres de son qu'on trouve chez nos concurrents utilisent le système de la réflexion. Là, c'est un système de déphasage et de distribution d'ondes qui fait qu'on n'a pas besoin de murs réfléchissants à l'arrière pour avoir un système enveloppant. D'accord. Donc on a un produit qui est complet, qui est intégré ici dans un meuble. Quelles sont ses spécificités? Il a trois entrées HDMI, il a six haut-parleurs, l'amplification et les décodeurs sont intégrés. Il a une sortie caisson pour pouvoir mettre un caisson actif si besoin. Si la personne veut un caisson, elle peut rajouter un caisson actif. D'accord. Et on distribue également le meuble qui est adapté autour de l'Obs 10, de la barre de son. D'accord. Le petit 34, par exemple, que je vois affiché. C'est le volume. C'est le niveau du volume. C'est le volume. D'accord. On a plusieurs DSP, on a le DTS, Dolby 2, Movie. On a plusieurs modes si on veut régler la barre au-dessus ou en dessous du téléviseur. On peut régler si on a un ou deux spectateurs. Il y a plusieurs types de réglages pour optimiser au maximum le son. Évidemment télécommandable ? Évidemment télécommandable. La télécommande est ici. Alors, la télécommande a la particularité de pouvoir contrôler quelques appareils avec les fonctions basiques comme la télé ou les lecteurs DVD, de la marque évidemment. Et je vais la prendre une seconde, qu'on la voit bien. Voilà, donc une télécommande très complète, toutes les fonctions disponibles. On n'a pas parlé de prix. On n'a pas parlé de prix, exactement. C'est un prix. Si un léger prix, donc ça coûte 1199 € et le meuble coûte 500 €. D'accord, et tout ça, donc on a dit disponible, la barre elle-même, disponible à partir... On va dire courant octobre, début octobre, pour être vraiment sûr de ne pas se planter. D'accord, donc on est parfait pour la période, voilà, des petits cadeaux qu'on se fait entre amis. Pour la fin de saison, c'est impeccable. Parfait. Merci beaucoup, Adrien Higier. De rien, merci.